Bonjour et bienvenue dans le journal de 20h01. Nous sommes le jeudi 8 novembre 2018 après Jésus-Christ. Voici les titres. Les Misérables, Le Petit Prince, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Passons maintenant aux actualités du jour. Aujourd'hui, à 10h32, s'est abattu des rafales de vent tellement fortes sur le Pérou que plus personne ne peut s'y entendre. Nous avons sur place notre reporter Yvan Zekelaoui. Bonjour Yvan. Quel est votre ressenti vis-à-vis des fourchettes péruviennes? Toujours à faire des blagues, ce Yvan. Parlons maintenant des agriculteurs qui sont en colère. On est en colère. En parlant d'agriculture, le film de Steven Spielberg est aujourd'hui sorti dans les salles. Voici des images. Aujourd'hui, le grand Steven Spielberg nous revient avec un tout nouveau film d'animation. J'ai investi 30 millions d'euros dans ce film. Le film a effectué le plus grand démarrage de l'histoire des films, accueillant la totalité de la population du globe terrestre dans les salles obscures. J'en suis fier. C'est très très impressionnant. Et c'est pour ça que nous avons invité Steven Spielberg sur le plateau. Bonjour Steven. Hello. Dites-moi Steven. Est-ce que... Yes. Merci beaucoup Steven, vous gagnez cette Nintendo Switch. Allez tous voir son film une deuxième fois, il est vraiment très marrant. Parlons maintenant du meurtre qui a touché mon téton hier soir. Un reportage de Stanley Kubrick. Bonjour et bienvenue à mon téton. Nous sommes en train de marcher. Voilà, c'est là qu'il s'est fait poignarder. Il est tombé face la première. Et comment il s'appelait? Il s'appelait Rémi, il était prof de solfège. C'est terrible. Ah, tu m'étonnes, surtout qu'il s'est fait tuer de dos. Oh, vraiment? Ouais, il est mort de dos, Rémi, face au sol, là. En tout cas, les gens qui meurent, c'est vraiment chiant. Passons tout de suite à la météo. La météo. La météo de mai, présentée par Théo. En mai, il faisait plutôt bon. Merci beaucoup Théo. Oh, je reçois l'information que je n'ai pas d'oreillette. Je rappelle qu'il y a un homme disparu depuis maintenant 19 ans. Il aurait des problèmes de la mémoire et écrirait le mot couscous sur son bras gauche à chaque fois qu'il entendait ses esprits. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à appeler le numéro 03 14 159 265 359 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal de 20h01. Si vous avez soif, n'hésitez pas à boire.